la station Cluny-la-Sorbonne et on a vu un groupe de trois personnes. Il y avait donc Alexandre, dont on a déjà parlé, qui dort dans son sac de couchage et avec son chien juste à côté, un chien qui avait été attaqué assez sauvagement par un autre chien. Et puis il y avait ces deux garçons éveillés, Gaël et Josian. Josian, lui, est complètement perdu. Il nous demandait 5 sucres à mettre dans son café. Et puis Gaël, et c'est pour lui que je voudrais lancer donc un appel à la prière. Gaël, il est originaire de Lorraine. Il est assez mince, il est grand. Il a autour de 25 ans. Et il attend du travail. Et notamment, il attend un appel d'un grand chef d'un restaurant très connu pour une place de commis dans ce restaurant. Et donc, Gaël, eh bien, il semblait vraiment mettre beaucoup d'espoir dans cette attente. Et d'ailleurs, il surveillait son portable pendant toute la durée de la conversation. Et donc, je vous demande de prier pour Gaël afin qu'il puisse obtenir ce job qui va lui permettre de ne plus dormir dans le métro.